Ils font des bruits horribles, gros, ils crachent. Écoute, on en a au moins une. Ouais, ils font blablabla. Blablabla. Ouais, ils font... Sponsor time. Farmer les champs de pastèques, j'aime ça. Mais parfois, j'aime aussi me relaxer. C'est pour ça que je joue à Raid Shadow Legend. Quoi ? Vous ne connaissez pas Raid Shadow Legend ? Mais ce jeu a pourtant autant de revues à 5 étoiles que de pastèques farmées sur la Cité des Éléments. Alors faites comme moi, foncez et téléchargez gratuitement ce RPG sur mobile, le plus ambitieux de tous les temps. Des graphismes incroyables dignes des plus beaux texture packs 512 fois, 10 millions de joueurs, des centaines de champions à collectionner et à personnaliser, plein de méchants boss à buter, et une aventure digne des plus grands scénarios d'Hollywood. Et en plus, si vous téléchargez le jeu maintenant, dans le cadre du programme Nouveau Joueur, vous obtiendrez 50 000 d'argent et un champion épique gratuit. Waouh ! Et obtenez aussi des récompenses tous les jours pendant 90 jours. Alors n'hésitez plus, foncez et cliquez sur le lien dans la description. Sponsor time over. Bon les mecs, là il nous faut des Ender Pearls, normal. Go monter là, cet escalier de ces morts là. Tout là-haut, vous avez un truc qui ressemble à comme un portail de l'End. Tu prends ton Ender Pearl et tu la lances dedans. Je clique droit dedans. Ouais. Ils ont mis des bateaux. Et voilà. Okay. Bon les mecs là il faut partir tous dans toutes les directions et Attends on peut pas faire des duos genre. Ouais si vous voulez pour les shulkers ça va être plus simple. Qui veut venir avec moi rien, viens avec moi Libé. C'est vrai que ça spawn là Attends Libé. Vas-y Ouais. Tiens. La technique gitan là. Ouais. De ouf. Parce qu'en fait ils jouent encore l'event. L'event n'est pas encore terminé, l'event des Akou. Oh regarde, y'en a une devant. Voilà quoi ça ressemble. D'accord. S'il veut lui. Des trucs en l'air là. Ouais. Donc le mec, tu vois, il est allé jusque là et d'ici. Ouais. Tu en underpairs. Ouais, bah oui, mais c'est les modos qui ont envie donc. Et à mon avis, il y aura pas de shulker sur ça là, on va quand même vérifier. Et comment on sait, c'est des spawners? Non, c'est pas des spawners, ils ont spawné de base, on va regarder vite fait. Y en a un là. Il tombe. J'en ai une. Sinon, c'est vrai qu'on a pas pensé, mais on aurait pu utiliser les boucliers. Je me sens pas bien du tout actuellement. Je vole. Au secours! Ouais, bloque-toi avec un bloc. Ok, y'en a masse. Ils en ont pas buté beaucoup. Comment je descends? T'attends, l'effet va se enlever au bout d'un moment. On va explorer tous les mecs parce qu'il y en reste. Hein. Là, il y a une forteresse qui a été faite en entier, mais ils ont pas tué tous les shulkers. Je pense qu'ils étaient trop pressés à trouver les élytras. Là, on est en train d'aller vers un truc vierge là. Mais les bateaux, c'est mort. Les élytras. Enfin, sauf s'il y a vraiment pas exploré. Ça frise beaucoup? Ah ouais? Putain, ça drop pas à tous les coups hein. Vas-y Magic. Ok. Oh cet MLG du bled. J'en ai tué deux gros, il m'a rien donné. Ah la looting, ouais c'est pas tout le temps à tous les coups. Oh non. Merde, démon. Il drop plus là. Ok, j'en ai deux. Moi je redescends moi perso. C'est purple shulker box, c'est ça que ça s'appelle? Ouais, tu peux la colorer de la couleur que tu veux. Genre quand j'ai il faut stick touch pour la prendre ou tu peux la prendre? Non non, tu l'as mis normal. D'accord, bah c'est cool. Bah ouais, c'est ultra pratique. C'est ça que je voulais acheter 15 stacks, bah mon cul j'achète hein. Moi j'ai sécurisé dans mon... C'est bon, j'en ai une quoi qu'il arrive, j'ai sécurisé dans l'Ender Chest. Check le bateau mais y'avait pas... Ah si. Ouais non mais le bateau c'est mort hein, regardez. Yes. Yes. T'as vu l'autre qui a dit on m'informe que ce dé à coudre sera adapté en série Netflix. Bloque la sortie de l'End avec de la bedrock, il en reste dans ton EC avant de partir. Oh, non, on va pas faire ça parce que c'est broken, mais t'imagines, tu bloques le portail. Je suis redescendu tout en bas et je suis direction nord et j'ai fait un petit break. Attends, bah, j'attends de perdre d'évitation et j'arrive. Eh, c'était, sans déconner, 10 stacks d'Emerald, c'était un bon prix, hein. Bah, 640 Emerald. J'étais même à acheter 15 stacks. Hein, ça fait même 1000 Emerald, je sais pas pourquoi ils ont refusé. Mais mec, même 100 Emerald, c'est rentable. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué moi. Non, alors les élytras, ouais, ce serait pas rentable. Les élytras, c'est dans le gros bateau que t'as vu, mais il y en a pas à toutes les forteresses et c'est qu'une paire à chaque fois. Alors que les shulkers. Ouais, ça serait bien qu'on en ait, même si on en a 10 chacun, c'est rentable. Enfin, en vrai, c'est peut-être qu'on en ait pour les autres aussi. Des shulkers, ouais, mais après, ils pourraient retourner en farmer. Mais il en faudrait au moins une dizaine chacun quand tu ramènes tes émeraudes en fait. Ouais, c'est abusé. On a fait un truc qu'ils avaient exploré, on a déjà eu deux shulkers, tu vois. Donc... Oui, par contre, quoi qu'il arrive, on aura des shulkers, mais ce serait trop bien qu'on en trouve une non explorée parce qu'il y a du stuff dans les trucs, mec. Il y a des pioches en diams, il y a du efficiency 4, 5, unbreaking, du mending. Il y a des pioches en fer, il y a des protections 4. C'est vraiment broken ce qu'il y a dedans. Ouais, on en a une devant, qui est probablement non explorée. Quelle direction est Est, ouais. Est avec un tout petit bout de sud, mais si tu fais full est, tu la verras. Si à un moment tu vois que tu peux aller un peu en allant vers l'est, tu peux passer soit au sud, soit au nord, tu passes au sud. Yes, et il y a probablement les élytras. C'est gigantesque! Y'a un bateau! Oui, c'est celle avec aux élytras. Vas-y, je vais la chercher. C'est là-dedans qu'il y a du stuff pity? Probablement, écoute, on va explorer ça, mais probablement, ouais. Je peux y aller dans le bateau, c'est dangereux, genre. Ah non, mais dans le bateau, y'a que les élytras, c'est tout.
Bizarre, y'a pas de coffre. Devrait y en avoir dans celle-là. Ah là, y'a des coffres là. Ok, j'en ai 4, je vais en faire 2 nouveaux. Des machins. Ok, ouais, ça a pas été pris, y'a des émeraudes dans les coffres aussi. Mais y'a pas beaucoup de coffres dans celle-là, c'est trop bizarre. Ouais. Eh ben, ah okay, putain, y'a un curse of vanishing. Bah tu vois, j'ai trouvé une épée. Bon, y'a mending, mais y'a Ban of Arthropod dessus, mais en la fusionnant, j'ai trouvé une épée sharpness 4. Une pioche efficiency 3 seal touch, un plastron, ah, quand même. Protection 4 unbreaking, avec curse of vanishing, mais donc tu vois on en trouve hein. Ils TP, ils sont chiants. Quand ils TP, ouais c'est vraiment relou. Nice, une de plus. Bon je reviens et je vais te filer le... Est-ce qu'il y a... Ah ouais, il y a la tête de dragon, ça vaut ça non, des trucs. Je sais pas mais c'est marrant de l'avoir. Je vais la sécu. Je vais pas les équiper les Elytra parce qu'elles sont pas mending et tout, je préfère... Ils sont pas allés très loin mec hein, tout ici c'est full neuf hein. Ouais, je sais qu'on a parcouru du bloc mais quand même je pensais qu'ils auraient passé vraiment la bah, soirée. Bah en vrai là-bas. Mec on est en 3000 moins 2500 hein, quand même hein. Ouais mais bon tu sais moi quand j'ai... Ah bah tiens y'en a une devant, nice. Bah nice. Ah c'est un bateau, bah go bateau. Toi tu tireras dans le bateau, non, tu verras ce qu'il y a. Ouais j'ai jamais été comme ça. T'as 2 coffres de loot, tu verras tu peux avoir des bonnes choses. Et t'as les Elytra au centre qui sont dans un item frame. T'as des potions aussi okay. Si jamais. Ah ouais putain ce passage, oh tu vas kiffer mec. Oh mon dieu, un jump! Mais c'est surtout, t'as vu. Monter là-dessus! T'as vu combien il y en a? L'important c'est de te prendre des bouboules de shulker en continu pour avoir toujours l'évitation. Mec, y'en a des millions! Ouais, y'a rien par contre dans les coffres, c'est bien dommage. Oh, il se TP, il est chiant. Ouais, il est là! Voilà! En vrai c'était worse hein, là. Ouais, bah en vrai on en a assez, on peut rentrer hein. Non, moi je vais continuer, je... Quoique... Ouais j'en ai 16, ça en fait 8 en vrai. Mec j'en ai pas mal aussi, on peut rentrer je pense hein. 8 c'est bien en vrai. Pire, on en a plus que 8 hein, 8 tout seul toi, mais moi j'en ai aussi. Ouais. Mec, moi je vais encore explorer un peu parce qu'en vrai il y a du stuff, ça peut toujours être intéressant. Mais on peut se split au pire hein. Là on va bridge beaucoup, j'aimerais continuer un petit peu pour... Je sais pas, trouver un peu plus de stuff, je sais pas, été... Le mending, elle a un curse of vanishing, ça m'emmerde un poil. Ouais, bah vous savez quoi, on va rentrer. Allez, go. Ça va à rien de rester plus longtemps. Bon! Ça, c'est cadeau. C'est vrai que ça se stack pas. Je vais en garder sur moi. Je pense qu'on va aller, farmer. On va essayer de farmer Mass Emerald ce soir, là, avec le blé et tout. Je sais pas si on peut faire un champ ailleurs. Il faudrait du diams aussi. Voilà, c'est pas mal. Et il faudrait que je pêche aussi pour tout ce qui est bien est là-dedans. Mets tout dans ton under chest, les shulkers, ouais. J'avoue que quoi qu'il arrive, ça servira. En vrai, j'aurais vraiment gardé ma pioche seal touch et me balader avec l'under chest, et c'est beaucoup plus simple. Et en vrai, vous savez quoi? Elytra, fortune, les under perles, la canne à pêche... Le lapis, si jamais on veut s'enchanter un moment. Le fer. Tout ce qui est utile en vrai. Ok, bah écoutez, allons voir. Je sais pas s'ils sont toujours là. Fox est là, mais pas Musa. Bah voilà, il y a Fox. Ah. Ah. Ah oui. Attendez. Ah oui. Ça a farmé sec. Ah, attendez. Donc... C'est le blé le plus long. Ouais, alors le coco, on en a tout ce qui, plus qu'il n'en faut. Là, on a pour 2, 4, 6 stacks à chaque fois. C'est sécurisé. La banque est sécurisée, je rappelle. Mais ce qui est long à pousser, c'est le blé. Je pense que je vais faire un méga champ en open world. Et ben voilà, 64 piles, boum. Donc là, j'ai deux shulkers cacao complètes. Donc il faut plus de blé en vrai. Un orga derrière toi. Oh, c'est Neutron. La bedrock. Ah, j'en ai plus. Elle est cachée dans un coffre, je sais plus où. J'en ai plus dans mes... celle dans mon under chest. Elle est chez Libé et Gil, je crois. Vas-y. Il y en a pas en plus dedans. Ça a balancé, hein, alors qu'il y en a pas. Hein. Il y en a pas en plus, je l'ai mis chez Gil et Libé. En plus, j'en ai vraiment pas. Ces accusations mensongères valent bien une réparation morale. De 2000 émeraudes. Un dédommagement. Un stack de pour préjudice. Ah, je l'ai cassé. Shit. Mauvaise pioche.
Bah attends, du coup je vais faire un homme. YOLO. À combien c'est en lot les mecs? 8, 9, j'ai un doute. 8. C'est-à-dire 8 blocs de distance max, hein, c'est ça? Donc faut que je fasse 7 de longueur pour H. Ah non, parce que le premier compte pas. On va tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'eau elle va geler. Ah, je vais mettre des torches. Ce serait pas plus rapide sur une plaine? Non, parce que t'as beaucoup moins de... Tu vas voir. Avec cette belle cité au fond, en train de ruiner le paysage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis pas venu pour souffrir là. Eh, c'est beau, hein, franchement. Eh, vous pensez que si je saute là, je prends des dégâts? Crédit. Votre équipe est créditeur de 90 000 émeraudes. Ah, yes. Tu vas planter quoi? De la weed. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque 1. Oh, le compte est bon. Ouais, 2000 MLG, ça passe. Beau paysage. On fait dans la beauté. La beauté du Lui Sport. Bah, qu'on se pense à se faire du stuff pété, hein. Pour soulever des longues daronnes, si jamais. Pour irriguer, tu peux laisser couler l'eau. C'est dégueulasse. On fait de l'œuvre d'art, monsieur, nous. Nous ne faisons pas dans le facile. J'espère que ça va récolter, hein. On a perdu avec Pierre. Mais non, 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 à l'ancienne, les mecs, à l'ancienne. Vous savez, avant de devenir un grand businessman de l'émeraude, il faut passer par les différents corps de métier de base et passer par la... À l'époque où tu faisais du bride de cheval pour avoir des purs sangs. Exactement. Des purs sangs. Pour avoir les meilleurs chevaux possibles. Tu vois, pour le de la coudre... Gacino est arrivé deuxième, ils ont quand même filé 2500 mètres. Ouais. En fait, c'est une expérimentation, c'est pour voir si ça pousse vraiment mieux en plein jour qu'en... Ok, maintenant là où magique. Yeah. Ça va être l'instant passion jardinage. Hein. Dans un instant. Non mais le champ souterrain... Là. Celui-là, je me doute qu'il va être détruit. C'est pour voir si on doit vraiment en faire un énorme échelle planquée, mais en surface. Yeah, on arrive au bout. Regardez, c'est beau. Bah voilà, maintenant, faut attendre. Hein. Oh, c'était opération... Je sais pas si c'était opération champ ou opération chiant. Et là, je reviens dans 20 minutes, le champ a été détruit. Yes. Yes. C'est comme ça, après, on va PVP. Peux-tu mettre la voix qui lit le chat? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Moi, je vais m'arrêter là. Ah, mince, attends. C'est un projet pour toi. Pas grave, je te le ferai demain. Tiens, en attendant. Non, tiens, regarde. Ça les stresse dans mon chat. Ah, merci. Ouais, bah ça pousse pas plus vite, hein. Respirez, relaxez-vous. Nous sommes bien. Nous sommes dans le calme. Nous sommes dans la plénitude. Yes. Ah, c'était prévisible, hein. Eh hey, qu'est-ce qui... Ah, le jour se lève. C'était le chant du coq, les mecs. Est-ce que je vous ai raconté cette histoire C'était chez mes grands-parents, là, au retour des vacances, et il y avait un coq. Il y avait un coq qui chantait à 4h du matin, mais... Et il était un peu enroué et tout. C'était assez rigolo. Et puis il était un peu cassé, le coq, hein. Je voulais savoir sur ton point de vue sur le retour de la popularité de Minecraft, si en tant que streamer, tu as remarqué une grosse différence. Le retour de la popularité en France, je dirais... Bah oui, parce que il y a tout le monde qui s'est mis à refaire. Les gens refont, ouais, impulsés par... En fait, à l'étranger, ouais. Mais c'était déjà depuis longtemps, hein, parce que... En fait, on a l'impression du retour de la popularité juste parce qu'on voit des gens en refaire, des gros streamers, des gros machins. Mais en fait, faut savoir qu'aux US, ça fait déjà plus d'un an que ça a réexplosé totalement depuis plus un an. Ici, j'ai envie de dire, moi sur ma chaîne, c'est depuis Olicube il y a un an, que ça a repris vraiment de la vigueur. Donc c'est pas tout récent en fait, hein, quand tout le monde dit ouais, ça explose. Non, c'est pas parce que PewDiePie a fait des vidéos dessus il y a deux mois que c'est revenu avant la 1.14. Ça fait un an. Je pense que ça fait un an que les anciens joueurs Minecraft ont vieilli un petit peu et retournent un peu dessus. Tu sais, tous ces joueurs qui avaient, à un moment, ça droppait un petit peu, même si ça continue à augmenter en worldwide, mais en France en tout cas, ça droppait un petit peu. C'est des joueurs qui ont voulu aller voir autre chose, notamment Fortnite, mais au bout d'un an, ils sont revenus à ça en fait. Ouais, depuis l'Aquatic Update surtout, je dirais depuis la 1.13 en vrai. Ça a apporté tellement de nouvelles choses. Mais après, je pense aussi, c'est tout con, mais il y a eu des mises à jour et il y a beaucoup de vieux joueurs Minecraft.
avec les mises à jour, ils se disent tiens, je vais regarder, et ça leur rappelle tous les souvenirs. Il y en a beaucoup qui ont découvert le jeu vidéo avec Minecraft, hein. Enfin, et je pense que ils y rejouent en se disant, on se rappelle à chaque fois, c'est putain, ah ouais, c'était trop bien cette époque-là, machin, machin, machin. Parce que YouTube a grandi avec Minecraft, entre autres, enfin, en tout cas, toute cette communauté-là. Beaucoup ont grandi dans le jeu vidéo avec Minecraft. Au final, moi, c'est pas mal parce que vous savez que j'ai eu un trou Minecraft, ou pareil, hein, le jeu, j'y jouais moins parce que, sauf les petits events, les trucs comme ça, mais j'y jouais quasiment plus en vanilla, tu vois, farmer et tout, ça me faisait chier. C'était quoi, 2000? Je l'ai eu avant, moi, je suis toujours un petit peu, j'anticipe toujours un peu tout. J'ai eu le trou Minecraft avant Fortnite. Et après, c'est revenu avant que Minecraft aussi reprenne de l'ampleur, donc c'est cool. Trou influenceur. Mais il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont grandi avec Minecraft, quoi, donc. Le plus marrant, c'est quand je vais au. Quand on va à la Trackmania Cup, le nombre de gens que je croise, oh putain, t'as fait mon enfance, j'ai grandi avec toi. Bon, maintenant je te regarde plus, mais. Et quoi qu'il y en a qui reviennent regarder maintenant, hein, ça je sais. Hein. Il y en a pour beaucoup, Minecraft est leur premier jeu. Hein. C'est trop bien, mais moi mon fils, dès qu'il va. Je vais le faire jouer à Minecraft. Hein. Il regarde déjà mes vidéos, ça l'intéresse parce que c'est très coloré, tu vois. Il y a des trucs, il y a des chevaux, il y a des Et puis machins. papa fait le Et puis papa fait le con sur le jeu, donc ouais, ça l'amuse. Mais je vais lui apprendre, hein. C'est vrai, ça, j'ai débuté le gaming sur Minecraft, maintenant j'ai 21 ans et j'adore y refaire un tour régulièrement et je suis toujours là. Je pense que, ouais, après, pareil, hein, il va y avoir un moment où les gens. Ça va être cyclique, hein, ça a toujours été cyclique, Minecraft. Jusqu'à quand, j'en sais rien. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui peut être bien, c'est que les cycles s'enchaînent. Genre, quand Hytale sortira, il y aura un cycle Hytale, probablement. Mais il va y avoir un cycle Minecraft derrière, etc. Enfin, ça dépend de comment Hytale est, hein. Bien évidemment, mais. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour tous les jeux, hein. League of Legends, à un moment, tout le monde disait c'est mort, c'est mort, c'est mort. Hein. Ça meurt pas. Hein. Après, les jeux compétitifs, c'est un peu différent. Mais Minecraft, c'est le même style. Il mourra jamais. Ouais, Minecraft coûtait que dalle. Moi, je l'ai acheté. Cette licence-là, là, le compte où je joue, j'ai acheté pour 5 euros. 5 euros. Ah, ça va, hein, c'est remboursé. Un sub, là, et c'est remboursé. C'est bon. Merde, putain! J'ai cassé un champ. Ah, bah, il m'a donné un blé. Yes. Merci, Origine. Fortnite, c'est coloré. Il y a tout de Minecraft. Pourquoi tu n'aimes pas Loulou? En vrai, le truc. J'ai regardé. Pour tout vous dire, j'ai regardé un petit peu la World Cup Fortnite. Et autant je trouve. En fait, quand tu regardes. Le problème que j'ai. Quand tu regardes l'écran des mecs, tu vois, qui font des trucs de ouf, etc. Mais le problème que j'ai, c'est que quand t'as la caméra à loin, c'est infâme. Tu vois que dalle, en fait. C'est. Je trouve ça, je sais pas intéressant à regarder en fait. C'est tellement bordélique, tellement. Je sais pas. Moi, le gros problème que j'ai avec Fortnite, en fait, je préfère un milliard de fois plus regarder pour du compétitif du Counter-Strike. Par exemple, pour quelle raison? Un, je trouve que ça se joue beaucoup, beaucoup plus au réflexe, à l'IM, etc. Je trouve ça plus surprenant. Et deux, il y a des stratégies d'équipe. En fait, c'est tout con. Et en fait, League of Legends, c'est pareil. J'aime beaucoup regarder, notamment tout ce qui est. Parce que. Enfin, t'as du. Ce qu'on appelle de. Comment on appelle ça là? Pas du metagame ou je sais pas trop quoi là. Putain, mais si, tu sais, à chaque fois ils le disent. Si, c'est le metagame ou j'en sais rien. Enfin, t'as beaucoup de réflexion derrière. La macro game, c'est ça, voilà. T'as du macro game, etc. et qui est super intéressant à voir, à analyser. Du Fortnite, c'est. Je sais pas. Autant je reconnais que les mecs ont des réflexes de ouf, sont skillés de ouf, mais à regarder, je trouve ça brouillon, très très brouillon en fait, pas intéressant. Et je pense que Fortnite vont avoir ce problème-là, ils essayent par. Ils ont réussi à. Le jeu a ultra hypé parce que c'était intéressant et accessible, pour le coup c'est accessible, mais ils essayent de trop pousser, je sais pas. Après, c'est un jeu, c'est facilement rejouable. En fait, c'est ce qui est bien, c'est ce qui marche bien avec les enfants. J'ai vu avec mon petit Ouais, c'est ce qui frère. En marche fait, chez tu les fais une enfants. game de 10 minutes et tu peux en relancer une derrière, en fait. Voilà. Par exemple, si on compare à PUBG, etc., c'est vrai que les games s'enchaînent plus rapidement, etc., etc. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que spectateur, ben, je trouve ça beaucoup moins sexy qu'une compète. Parce que là, moi, je parle en tant que spectateur, qui est un peu l'avenir, mais sur l'e-sport, enfin, je trouve ça beaucoup moins sexy que du CSGO, du League of Legends. Bon, il y a Dota, c'est spécial aussi, mais Dota, je suis pas fan parce que je comprends que dalle. Je trouve que c'est un jeu qui est pas accessible du tout, contrairement à League of Legends. Mais ouais, c'est impressionnant, Dota, mais si t'as rien pour t'expliquer vraiment, t'es full perdu. Merci Origine, pour toi le meilleur jeu BR. Minecraft évidemment. Bon, ça a pas l'air de pousser plus vite, hein. C'était donc un échec cette. On va récupérer notre champ quand même après. Putain, c'est quand même full random. Non, c'est pas oufissime, c'est vraiment lent à pousser, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi lent. Peut-être que le serveur tick pas très vite. Merci DMDK, merci Beckman, merci pour les primes. Connaissez-vous Twitch Prime les amis? C'est un truc incroyable. Oh, on va attendre un tout petit peu. On va aller voir le champ d'en bas où il en est.
Vous visualisez ou pas? Oh si, ça pousse, rien. Ouais, ça pousse plus vite là-haut quand même. Hein. Ça pousse plus vite à l'air libre. Regarde, là, il y a que quelques petits bouts de... Alors que là-haut, c'est full poussé. Ouais, je vais aller... On finira là-dessus. Je vais aller amener les émeraudes, là, dès que j'ai fait la récolte là-haut. Et puis, on va voir les points, tout ça. Bon, allez, mec, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on regarde les champs poussés? La time in a bottle aurait été intéressante ici. Hein. Vous savez que le pire, c'est que ça va peut-être pas marcher, ce champ. Est-ce que ce champ va être détruit dans la nuit? Très probablement. On va pas se mentir, hein. Mais est-ce qu'on n'aura pas fait un bon vieux chant de l'époque Minecraft avec cette musique de l'époque Minecraft bêta 1.5? Suffisamment répar. Eh les mecs, c'est l'heure, hein, vous êtes prêts? Fuck. Let's go. Putain, je crois que ça a pas marché. Ah, ou alors ça les a enfoncés, ça les a emmenés beaucoup plus bas. Si, si, ça les a emmenés là. Ah oui. Vous vous replantez maintenant. Ouais, ouais, ça va, c'est une récolte ok nul tiers. Hop, 45 quand même. Ok, bah let's go. Go à la Tessie, faire des émeraudes, yo. Peut-être que je peux quand même aller voir un peu tous les joueurs et leur demander, faire de la politique un peu. Leur proposer, je sais pas, de l'influence contre des émeraudes. C'est de la valeur, ça, non? Je tarifie autant qu'on tarifie nos sponsors. Je lui propose... Ouais! Je vais proposer ça au mec. Une minute de trailer de leur chaîne YouTube. À 30 secondes, plutôt. Ouais, non, c'est... Une intégration d'une minute sur une de mes vidéos. Et je leur fais payer ça 10 000 émeraudes. C'est un bon plan, ça, les mecs! Oh, 10 000, c'est pas assez cher. 100 000? Bref. 25 000? 25 000 émeraudes. 25 000 émeraudes, c'est... C'est ok, non? Les cookies, c'est la vie. On n'en a jamais assez. C'est le moment où on est content que le shift stack fonctionne. Faut que je mange un coup, mais j'ai plus de bouffe. Je pourrais manger des cookies, mais j'aurais l'impression de manger des émeraudes et ça me ferait un peu mal aux dents. Pour 50k... Ah, en vrai, je vais commencer à faire mes annonces. Effectivement, pour 50k, je vous propose... De vous hoster. Les mecs, je vais faire un beau post. On va faire une belle publicité. Je commencerai à l'afficher et j'encaisserai les trucs. Et on le fera, hein, pour ceux qui sont prêts à me payer. Bah, le stock grandit. Hein. On a presque un chest complet. J'ai pas compté combien il y en avait d'émeraudes dedans, mais il y avait au moins 12k. 12-13k. Il y avait quoi? 9, 27, je sais pas. Il y avait combien de 30 stacks? Non, mais il était pas rempli. Donc on avait 13 ou 14k émeraude. Donc si on rajouterait ça aujourd'hui, on serait à 15k, on serait devant Magic. Ce qui, ok, hein, on n'est pas si loin de ça de Libé en fait. Hein. C'est ce qu'on a en stock.